Bleko salo. Ma c'est mon frère. Poussié sous nada. Mal le beau et du corps de l'homme, si caé, si caé, si ma si caé, ma caé, si caé, si caé, si caé, si caé, si caé, si caé, mais tu connais de moi, tu connais de moi. Alpha, Omega, Omega, Mawa, le Kemelio, Alpha, Alpha, Omega. Même dans le sombre, même dans le sombre, je suis un Seigneur, il est Seigneur. Même dans le sombre, dans le sombre, je suis un Seigneur, il est Seigneur. Même dans le sombre, même dans le sombre, je suis un Seigneur. Il est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, je suis un Seigneur. Je dis même dans la souffrance, même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, même dans la souffrance, même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Je dis même dans la maladie, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, même dans la maladie, dans la maladie, Jésus est Seigneur. Je dis même dans la stérilité, même dans la stérilité, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Assieds-toi, Jijan. Dieu, Mava. Souviens-toi de moi. Flimi. Oh Dieu, rappelle-toi. Mava. Le Flimi. Oh Dieu, Maoué. Souviens-toi de moi. Flimi. Qui sait que Dieu va se souvenir de lui aujourd'hui? Qui croit en ça? Melina. C'est moi, papa. Qui croit que Dieu va se souvenir de lui? Melina, on a fui. Je crois en ça. Tu reçois cette grâce ce soir. Je reçois.
Je prends ça. Assieds-toi. Je joins. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà Jésus, mais. Pourquoi se souvenir? Pourquoi Dieu va encore se rappeler de sa créature? La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu a créé tout ce qui se met sur la terre. Et quand il finit de tout créer, il dit maintenant, créons l'homme à notre image. Celui qui fait son enfant, est-ce qu'il peut encore oublier son enfant? Lorsqu'on parle de se souvenir, ça veut dire que la personne, il y a eu des traits de la personne en toi, mais que tu as oublié. On parle de se souvenir lorsque quelqu'un est déjà oublié. On t'a oublié. Et tu es caché dans les oubliettes. Et c'est pour cela qu'on se rappelle de toi. Lorsque vous voyez une connaissance avec qui vous aviez fait une fois et vous êtes séparé pendant des années, alors plus tard il a pris du poids. Tu as pris du poids. Et un jour tu le croises comme ça. Il dit bonjour monsieur. Et tu lui diras bonjour. La manière dont vous a salué, vous allez vous dire: il semble que je connais celui-ci quelque part. Mais vous ne vous rappelez plus. Qui est cet homme? Vous n'avez plus son nom dans votre tête. Votre mémoire a déjà perdu son nom. Et subitement vous décidez. Et vous lui posez la question: vous me connaissez? Oui, tu ne me connais plus. On avait fait tel endroit. Mais ensemble. Tu vois telle personne? C'est Wilfried ici. Et tu dis, ah, c'est toi ça. Il y a longtemps. Amen. 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 C'est quand on oublie quelqu'un, on se rappelle de la personne. Acclame Jésus. Lorsqu'il y a une promesse, on se souvient d'une promesse. Amen. Amen. On se souvient aussi d'une promesse. Beaucoup de gens font des promesses, mais s'ils ne se rappellent pas de ça, ils s'oublient. Ils n'accomplissent pas ses promesses. Parce qu'ils s'oublient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Si la Bible nous parle, Dieu se souvient, ça veut dire que Dieu aussi oublie. Vérité. Vérité. Ça veut dire que Dieu aussi oublie sa créature. Vous allez voir dans la Bible, l'on dit souvent, Dieu ne peut pas rejeter ce qu'il a fait. Mais ça veut dire que Dieu se répand et Dieu rejette même ses peuples. Amen. Amen. Mais ici, on parle de Dieu. On dit: oh Dieu, souviens-toi de moi. Ça veut dire que Dieu a oublié quelqu'un. Tu peux être dans une bonne grâce de Dieu. Et là, Dieu va oublier quelque chose. Une promesse dans ta vie. Malgré que Dieu marche avec toi, vous allez voir ceux-là qui marchent avec les riches, qui sont les serviteurs des riches, ont de difficultés pour bénéficier de la richesse de leur maître. Les amis du riche bénéficient facilement de ça. Yes, sir. Enseigne, papa. Ça dit quoi? Un serviteur de riche. Tu peux avoir besoin d'un million, mais tu ne trouveras pas chez lui. Mais tu es son serviteur. Tu vis dans sa bonne grâce. Tu es là avec lui. Mais il te voit en bonne santé. Mais il ne sait pas que tu as besoin d'un million. Alors tu frottes, tu gardes sa mallette. Alors tu prends l'argent comme ça. Et tu n'utilises pas. À cause ça. Vérité, Daddy. C'est ça même. Mais tu verras que son ami, un ami, une connaissance, s'approche seulement de lui. Il pose le problème. Et rapidement, on lui fout maintenant des millions. Devant tes yeux. Sous tes yeux comme ça. Tu entres dans ta chambre. Et tu commences à pleurer. Tu vas dire: Dieu, tu ne peux pas dire que
quelque chose à ton patron, c'est ce que vit les chrétiens. Quand Jésus, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu vas arracher de force. Je t'emballe la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Prenez vos Bibles. Allez dans le livre des Exodes. Exode chapitre 2. Exode. Vous me lisez à partir du verset 23. Exode 2, 23. Exode 2, à partir du verset 23. Yes. Je lis la parole au nom de Jésus. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu garda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Amen. Ici, Tiens-le. La Bible nous parle de notre patriarche, Moïse, et le peuple d'Israël. Amen. Amen. Écoutez-moi. Et le peuple égyptien aussi. Togo Égypte, ton dessous. En particulier le roi Pharaon. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le peuple d'Israël. Qui constitue une descendance d'Abraham et d'Isaac. Jacob. Jacob, Isaac. S'est retrouvé sous la servitude. Et sous l'esclavage. Et d'un peuple étranger du nom de l'Égypte. Alors là, ils ont vécu pendant 430 ans. Amen. Amen. Dans d'autres versions, vous allez voir 400 ans. Donc, regardez-vous, mes amis, 400 ans. Mais quand vous allez dans les Bibles hébraïques, réelles, 430 ans. 430 ans, mes amis. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont vécu sous le joug de la servitude. Ils travaillaient. Écoutez-moi. L'Égypte. La mathématique est née là. Il y a plusieurs théorèmes qui sont volés de l'Égypte. C'est les Israélites qui ont bâti les tours. Israël ville. Tout ce que vous avez aujourd'hui, comme musée, en Égypte, et musée de l'Égypte, ou des trucs architecturaux. C'est les Israélites qui les ont bâtis. Israël ville c'est les pyramides. Pyramides à Ce sont les Israélites qui Israël ville. Amen. 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 Parce qu'ils étaient esclaves. Le, et on les imposait. Mais non, non, dans ta main. Le fait de travailler. Mais non, là, ça. Vous savez, mais toi. Si vous êtes fils, vous êtes chez votre papa. Alors, on peut vous commander des choses, vous allez refuser. Et la joie, nous, mais si vous êtes esclave ailleurs, un enfant placé, ce qu'on vous commande, vous devez courir pour le faire, même si vous n'êtes pas d'accord. Vérité. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, non, Jésus, mais. Parce qu'ils sont esclaves. Mais, calme, non. Ils sont obligés de se soumettre. Dans ta main, c'est les la femme travaillait. Ah, non, 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 l'enfant travaillait. Non, 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 les hommes aussi travaillent. C'est-à-dire toute la famille doit travailler. Mais nous même bien la soeur. Et c'est les 12 tribus d'Israël. Ils sont représentés là. Ils vivaient là. Bien aimé dans le Seigneur. Mais non, Jésus, mais. Et là, un jour, ils ont constaté que le peuple d'Israël croissait beaucoup. Et là, il y avait une explosion démographique. Amen. Amen. La naissance Gigiyo était Hello, Gigiyo. Allait Hello, de façon exponentielle. Hello, et là, ils ont réfléchi. Et ils se sont dit, Mewado, un jour, Beloko, les Israélites vont nous dominer. Na, ce que nous allons faire, Mediablo, il faut qu'on commence par les réduire. Dekoji, parce qu'on les a amenés à faire un travail forcé. Malgré ça, ils résistent. Malgré ça, ils travaillent. Et ils vivent encore. Lekolo, et ils produisent encore plus. Lekolo, donc nous allons commencer par éliminer les garçons. Mais là, effectivement, Mbongo, ils ont
décidé maintenant de tuer les enfants. Garçons. Alors ils sont allés de maison en maison. Et ils ont recensé tous les enfants. Et ils n'ont pas tué les enfants. Regardez la douleur d'une mère. Quand il me porte un bébé pendant 9 mois. Et tu pars à l'hôpital. Lors du travail. Regardez les risques. La femme frappe la porte de la mort. Avant de revenir à la maison. Et porte son bébé en main. Et un jour quelqu'un se pointe comme ça. Il dit pourquoi tu as fait un enfant garçon. Et tu es l'enfant de ta mère. Mais là où vient. Qui ici peut accepter? Mais tu vas me tuer le jour là. Ton enfant, vite. On prend ça en même temps. Mais il est devant toi, on décapite. Mais regardez la douleur au sein du peuple de Dieu. C'est une douleur inconsolable. On ne peut pas consoler les gens. On ne peut pas leur dire. Ça arrive. Cette douleur et l'image là, on l'a gravée pendant tout leur séjour sur terre dans leur tête. Il y a des situations quand vous vivez cela. Vous n'oubliez jamais cela. Vérité. Vérité, Daddy. Il y a des situations où on n'oublie jamais. Ça vient dans ta tête. Et parfois, tu peux être en train de chanter. Et l'image va revenir. Et tu vas pas couler les larmes. Tu vas sortir de cette situation ce soir au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont décidé encore, malgré les, qu'ils ont tué les bébés garçons, les enfants garçons, ils ont donné une instruction maintenant aux sages-femmes. Et on a dit aux sages-femmes, parce que les Israélites ont leur hôpital à part. Ils n'ont pas même hôpital que les Égyptiennes. Donc quand les sages, on a donné instruction aux sages-femmes. Ici, les Israélites viennent. Les femmes hébreuses viennent. Si elles accouchent comme ça, si vous voyez que c'est un bébé garçon, tuez en même temps le bébé garçon. À la sortie du bébé, avant que la maman ne prenne conscience, malgré qu'ils ont fait cela, Dieu était avec eux. Écoutez, c'est là où je vais vous dire une chose. Dieu peut être avec quelqu'un. Et il y aura quelque chose qui va manquer dans sa vie. Vérité, papa. Vérité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ntéje. Dieu a donné de la vigueur. Une femme hébreuse. Vous savez, une femme doit faire... Prends pas le travail. Avant de connaître la délivrance. Avant de connaître l'accouchement. Alors lorsque les femmes viennent comme ça à l'hôpital, vous dites, il est temps pour moi d'accoucher. Avant que la sage-femme ne vienne, contrôler les femmes là accouchent déjà. Elles avaient la vigueur. Dieu leur avait donné la vigueur. Reçois ta vigueur. Je reçois. Quelqu'un va recevoir une vigueur qui va étonner toute sa famille. Acclame-toi pour le roi de roi bien-aimé. Bien aimé dans le Seigneur, subitement, ils ont constaté que ça ne réussissait pas. Alors doublons maintenant leur punition. Il faut qu'on renforce la punition. Il faut les punir encore davantage. Il faut les maltraiter au-delà de leurs entendements. Au-delà de toute leur force. Bien aimé dans le Seigneur, quand il subissait tout ceci, il criait à l'Éternel. Il n'avait pas de juge. L'autorité ne peut les soutenir. Non. Il n'avait même pas parents pour dire. C'est-à-dire, même si on gifle ta femme, tu viendras dire merci à celui qui a giflé ta femme. Il n'y a personne qui peut te soutenir. Quand tu subis et tu pleures, c'est tout. Ce sont eux qui travaillent le blé. Mais ils n'ont pas le droit de manger en burger. Ou bien en burger.
Et Amos, attends, tu es si noir. Amouge. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, Jésus, mais. Ils ne peuvent pas manger cela. Et Massinouné. Ils ont doublé maintenant la punition. Et les yeux ouverts, c'est eux. Comment ils vont faire? N'est-ce pas? Ils n'ont personne. Et nous, Mélia. Je vais te dire une chose. Non, si tu es un parent. Alors, méditeur. Ministre. Mais gawain toi. Quand quelqu'un te fait quelque chose. Mais nous, Annenoué. Tu vas voir. En amont. Tu réagis en même temps. En la belle mère, tu vas voir. En amont. Je vais te prendre. Je vais te faire si. N'a pas loué, mais la patcha, il y a un blanc. Un parent député. Aïe, mais il gawain toi. Un parent juge. Et il juge. Même si tu as un ami autorité. Et quand tu es grand. Commissaire. Commissaire. Là, tu peux réagir comme ça. Aïe, un belly. Hein? Gandhi. Mais vous allez voir. Ceux qui n'ont personne. Mais madame, mais quand on leur fait quelque chose. Mais bleu, mais lire. Dieu est là. Vérité. Tu vas payer. Vérité. Il dit Dieu est là, tu vas payer. Et c'est le cri des faibles. Et mais bon Dieu laisse ressusciter. Dieu est là. Mal et c'est là Jésus a dit. Fini Jésus là. Heureux les pauvres en esprit. Aïe, dit Jésus mais retourne le pic bas mais. Car le royaume des cieux. Nous remettons. Tenez en. Il ne parle pas des pauvres. Et il mais retourne. Ceux là qui ne peuvent pas venger leur cause. Mais ma soupe déjà tombe. Tombe sous. Bien aimé quand Jésus. Enseigne papa. C'est de Jésus parlait. Nous menons le retour de Jésus. Celui qui n'a pas. Mais Mando. Quelqu'un comme Dosoa. Mais les voyez gardez bien. Obligé de crier à l'Éternel. Gardez la sourde là-bas. Aïmaoude. Ah mon Dieu là. Adé Oronom. Il va me venger. Oh. Ah. On appelle ça un son à Maoute. Mon Dieu là. Papa Roche. Il va me venger. Ah. La vie Oronom. Maoute. Mon Dieu. Le... Il n'a pas roteillé. Ah, il va me venger. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus, mais... C'est ce que beaucoup disent. Oui, mais ce c'est ce que beaucoup disent. Oui, mais ce les faibles. Mais bonjour, en esprit. Le plus grand, mais... Ceux-là. Menele. Qui n'ont personne. Et Mando Menele. Ils n'ont que Dieu seul. Maokere. Ils se confient en l'Éternel. Ziel et John Mavo. Heureux. Et là il y a Dieu. Ceux-là qui se confient en l'Éternel. Mais Ziel et John Mavo car. Non. Dieu vengera leur. Man a pris sa note à Menele. Yes sir. Hey. Amen. Amen. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Le film ils sont oubliés de crier à l'Éternel. Et la souhaite, oh Dieu de notre Père. Et Abraham. Abraham. Tu vas nous abandonner. En Dieu, mais écoutez, 430 ans. 430 ans. 4 générations. D'un ça veut dire que le l'aïeux est mort. Dans l'esclavage. Le calme. Et là, le film. Le grand-père. Grand-père. Est mort. Et le soir. Sous captivité. Et le soir calme et le père. Dans le soir. Mort, elle est le calme captivité, elle est et le fils vit en dessous, vit encore elle est le père au calme moment. Quelqu'un dit faïa ya ya. Tu ne peux pas dire ce feu là avec faiblesse. Ah mais sinon ce n'est pas quoi tu as monné. Faïa ya 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 ya. C'est Dieu seul qui peut faire. Alors là, ils ont pas crié. Dieu écoutait cela. Et un jour, Dieu a vu quelqu'un parmi eux. Un enfant qui avait vécu pendant l'enfanticide. Amen. Au moment où tu es les garçons, les enfants, c'était de l'enfanticide. Il y avait une pandémie d'infanticide. Amen. Et là, ce qui se passait,
En ce moment, un enfant était sauvé. Mon fils, le bogey, regarde. Son nom était Moïse. Mon code est Moïse. Parce que l'ennemi même l'avait sauvé. Donc, tel est son regard. Écoutez-moi. Mais je suis Dieu avec toi. Et la mort de parole. Disposer même le cœur de tes ennemis. Et la zèle qui a quelqu'un pour les devoirs de Dieu. On peut voir un chap-chap ce soir. Il va disposer. Et la zèle témoin. Le cœur de ton ennemi. Aïka, quelqu'un peut être. De servir. Mais la zèle. À t'aider. Mais la gloire à lui. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je sais. Je reçois ça. Merci. Aïe, 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 aïe. Je campagne. Assieds-toi. Je viens de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Ouais, là, Jésus, mais. Eh bien, quand il criait. Mais la reçoit. Hein. Alors Dieu a vu quelqu'un. Ma ouais, mon mêlé. Avant que Dieu ne libère son peuple. Mais tu m'as tout quand il faut qu'il trouve quelqu'un. Et j'ai mon mêlé. Il faut qu'il trouve un héros. Et nous n'avons qu'un d'arrondi, soukade. Quelqu'un dit un héros. Et nous n'avons soukade. N'avons soukade. Et c'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Mais bien pour Gédéon, avant que Dieu ne libère quelqu'un. Mais tu m'as tout quand mêlé. Il faut que Dieu sonde ton cœur. Mais n'a pas écrasé en ton. Avant que Dieu n'accompagne quelqu'un dans une entreprise, il faut qu'il voit qu'il ait la capacité de tenir. Écoutez, par exemple, si je prends l'église ici, au moment où on a commencé, personne ne voyait le nom si. Personne ne voyait ce qui arrivera. Mais Dieu voyait ce qui arrivera. Il faut que Dieu voie. Est-ce que cette personne est disponible pour recevoir ce que je veux déposer pour tenir un peu plus tard. Tout ça Dieu voit. Avant que Dieu ne te donne milliards, il faut que Dieu voit que tu es capable de gérer millions. Vérité, vérité, papa. Papa. La capacité nous, de diriger, de gérer, de porter haut le nom de Dieu. Alors Dieu a vu ça en Moïse. Moïse parce que Moïse même s'est levé et a dit je vais libérer le peuple. Alors, ça appelait Dieu. Alors il est parti. Hey. Il a vu un Égyptien en train de maltraiter mais le un Hébreu, Brudet, un Israélite. Israël vide. Alors il s'est jeté sur lui. Il a tué à mort. Oh, oui, quand il a tué, mais oui, oh. Plus tard, normalement, les Hébreux devaient telle l'information. Ils ont gardé l'information. Et un jour, les Hébreux même sont en train de se battre entre eux. Et Moïse est venu. Et les a séparés. Il a dit, pourquoi vous battez comme ça? Ils ont réalisé quoi? Non, qui t'a pris comme juge pour nous? Mais ils ont un juge nous mis. Qui t'a pris? Mais nous ne sommes pas comme l'Égyptien que tu as tué. Mais tu es Égypte, nous avons amen. L'ennemi des chrétiens est parmi les chrétiens. Et les Israël ont laissé quelqu'un. Enseigne-nous d'Adi. Bien-aimé, chrétien, si tu penses que ton ennemi, Israël avait ce c'est le bocono du village. Il faut tous les chrétiens, mais pour toi. Ton ennemi est assis à côté de toi. Tu as pas toi. Allez-y seulement. Allez en profondeur d'Adi. C'est les chrétiens qui tuent les chrétiens. Ici nos légendes, ici nos rois. Et les légendes, mais où est-ce là? Et on va tuer ces finlandais. C'est les chrétiens qui sabotent les chrétiens. Et les légendes, mais ça là. Vérité. Et les légendes. Quelqu'un du fire. 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 Esprit de division, de commérant, fire. Viva! Viva! Mémi maton! On m'a si colombé, mémi maton, zonoué! Oh, zonoué! Zonaoué! Zonaoué! Bien aimé dans le Seigneur! Voilà, je suis mais. Écoutez-moi, collègues! Ils ont réagi comme ça, vous dites, hé! Le roi va apprendre les fonds. Ah, c'est quoi là? On va me tuer maintenant. Non, Roumi dit. Ils sont avec qui? Mais vous n'avez rien dit? Le peuple. Togouton. Alors là, il dit, hé! Si je ne fuis pas en même temps, les gens là, hey, on va m'attraper. On va m'arrêter. Alors il a pris fuite. Et il a quitté. Quand il a quitté l'Égypte. Amen. Amen. Il a pris fuite. Mais il continue pas à crier. Quelqu'un est venu pour vous libérer. Mais il va vous dire tout quand et vous l'avez chassé. Ma mais vous continuez pas à crier à Dieu. Ma
Les cris montaient à Dieu. Et Dieu a dit maintenant, si je délaisse ce peuple, ce n'est pas bien. Écoutez-moi correctement. Quand vous lisez le verset 24, 24, vous allez comprendre pourquoi Dieu a réagi. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Si tu as ta Bible, tu peux souligner alliance. Il s'est souvenu. De son alliance. Alléluia. Quel genre d'alliance? Alléluia. Alliance avec Abraham. Alléluia. Abraham. Isaac. Isaac. Et Jacob. Oh, Jacob. Alléluia. Ça veut dire que le cri que faisaient les enfants là. Quatre générations. De personnes. C'est tout un peuple. Toute une nation. Et en train de crier. Et la ressource. On a 400 30 ans. Nous, et Dieu vient maintenant. Bon, il crie à Dieu. Il ne va crier à un homme. Il crie à Dieu. Et Dieu vient maintenant. Il dit, j'ai entendu le cri. Le gémissement. J'ai vu leur douleur. Et maintenant, Dieu, je me suis souvenu. Prêche, mon père. Là. La parole. Quand je lisais, j'ai été ébloui. Ça m'a déboussolé. Ça m'a traumatisé. Ça veut dire qu'on peut être en train d'adorer Dieu. On peut être en train de faire jeûner prière. On peut tout faire. Avec Dieu. Sans que Dieu ne nous regarde pas. Vérité. J'ai compris. Que là, les enfants sont dans la maison de Dieu. Et ils ont des situations. Dieu les met dans le Seigneur. Ça veut dire que quand ils ont crié, un an, deux ans, grand-papa avait crié, grand-père avait crié, crié, parce qu'ils n'ont aucun autre Dieu. Tous ces cris sont allés où? Dans les oreilles de Dieu. Mais pourquoi Dieu est resté passif? Pourquoi Dieu n'a pas réagi? Et qui va se souvenir d'une alliance d'abord? Ça veut dire que Dieu ne marche pas sans alliance. Vérité. Du voisin. Regarde Jésus. Dieu n'est pas comme. Botoko qu'il faut aller. Botoko. Entrer dans le marché dans ton pas. Dieu n'est pas comme. Fruiter. Qu'il faut aller acheter. Dans le marché de Misebo. On sait, nous a dit. Dieu n'est pas abloni. Qu'il faut aller acheter. Alomé à Sigame. Alomé à Sigame. Dieu n'est pas. Maui. Wangashi. Wangashi. Qu'il faut aller acheter. Pareo. Dans le marché de Gema. Le Gema Sahime. Parakunu Letu. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus, mais. Dieu n'est pas. Maui. Beaucoup. Hein, beaucoup. Beaucoup Salomon. Beaucoup Salomon. Qu'il faut aller acheter. Pareo. Dans le marché des Hunto, le Hunto c'est rime, hein? Je parle de ceux de saint de Lobogo. Et c'est Lobogo, j'ai tout Hunto. Dieu n'est pas Kulekun. Maï Kulekun. Harico. Il faut acheter dans le marché d'Azové. C'est sorti. Quelqu'un dit les jours. Pourtant. Bien la main dans le Seigneur. Voilà Jésus, mais. Dieu. Maoua. Dieu Maoua. N'est pas Eni. Dieu n'est pas Maoui. Farine Gali. Qu'il faut aller Balai. Dans le marché de Lokosa. Lokosa Rime. Avec des galettes. Podo Kouikouibo. Les galettes faites à base. Kouikouibo Podo. Un peu de mix de farine. Mélangé. Et l'on s'est l'éphique. L'on s'est l'éphique. Et de arachide. Podo arachide. Et n'est Lokosa Roblo de Tau. Ça c'est Misa. Et n'est. Non, quelqu'un dit non. Dieu fit une alliance. Aujourd'hui, une alliance sera tissée. Et bien, la douceur de toi au nom de Jésus. Bonsoir. Yes, sir.
Acclame très fort. Dans Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà Jésus, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance. Pourquoi les enfants d'Israël sont sortis de Abraham? Abraham. Ils sont sortis de Jacob. Et toi aussi Jacob. Jacob est sorti d'Isaac. Jacob aussi Isaac. Et Isaac est sorti d'Abraham. Isaac aussi Abraham. Ils vivent. Et non, non, dans la quatrième génération. De l'alliance d'Abraham. Allez, Abraham, ils étaient la quatrième génération. Amen. Amen. Et là, quelque chose s'est passé. Dieu avait dit à Abraham. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, Genèse, oui, oui, oh. À partir du verset 2. Merci. Genèse 12, verset 2. Mm-hmm. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez correctement. Mais Dieu avait dit à Abraham. Non, non, Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Continue encore. Je te bénirai. Et je te bénirai. Hein? Vas-y. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Non, non, le nom de quelqu'un sera grand tant que ses enfants. Hey, je prends ça. Écoute-moi. Ça, la renommée, c'est Dieu qui donne. La célébrité, c'est Dieu qui donne. La grandeur, c'est Dieu qui donne. Quelqu'un va sortir du fumier. Il sera assis à table avec les grands. Mais je reçois cette grâce au nom de Jésus. Je reçois, je reçois, je reçois. Yes. Continue. Hey. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction, toi. Attends. Je bénirai ceux qui te béniront. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Non, non, là. Tu peux être esclave et être béni. Ah, c'est quand on dit un esclave ne mange pas à sa faim. Et le calme on nous mange. Et le calme nous mange. Et le fruit de ses labeurs. Et non, c'est vivre nous à Zoraïa. Et regardez, on dit ça à un grand-papa de quelqu'un. Et le temps pour le mériter, on est en train de parler. C'est une alliance. Alléluia, mais vous et cet petit-fils. Ma vie vit en l'air. Arrière petit-fils. Oui, vit en l'air. Son esclave. Et avec calme on nous mange. Et si nous mange. Affectissime. Continue encore. Move. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit maintenant. Elle a dit. Je maudirai ceux qui te maudiront. Mais ton où elle est là, ton où elle. On a dit on va maudire celui qui me dérange. Et là, mais là, ton où. Celui qui va me maudire. Mais là, ton où mi. Et maintenant je suis esclave. Bon, gai kan mono. Akoba. Est-ce que c'est bon ça là? Eh, hey, ouais néon, ouais néon vivia. Dieu faille à fond. Non, je. Bon, assieds-toi maintenant. Amen. 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 Écoutez-moi correctement. On dit que ceux qui vont te bénir seront bénis. Et ceux qui vont te maudire seront maudits. Et l'alliance Dieu avait fait avec Abraham. Alléluia, Abraham. Que les enfants s'y criaient. Non, il a reçu. Dieu les regardait. Crier, ça veut dire qu'on peut jeûner 40 jours. Et en bien ou 40 jours. Et revenir à la maison. Bon, et mari de nuit, femme de nuit va commencer. Si ça met ton va taper. Parce que tu es esclave. Là, il calme, non, tu n'es pas libre. À voir. Il faut que Dieu se souvienne de son et alliance. De man, alors là, Dieu dit, il y a l'alliance qui a passé. Et non, allez-nous quoi? L'alliance. Allez-nous. A commencé par défiler dans la tête de Dieu. Et je dis bon, ta mémoire ton dit. Il dit dans la mémoire de Dieu. Et donc fini ton mémoire. C'est dit que Abraham est saint. Et Abraham il m'est oué. Et il a déjà connu la mort. Mais coucou. Mais son alliance est encore. Allez nous son collègue au bénin. À quand Jésus oh my God. Son alliance vit. Allez nous ton père. C'est comme quelqu'un qui t'a vendu à un démon. Et tu me laisses nous quitter encore. Même si meurt le démon n'est pas mort. Et t'es quoi quitter encore quoi? Et pour finir faire quoi quitter. Vérité papa. Et c'est la vie des saints aussi. Mais oui oui c'est bien. Le cas d'Élisée. Élisée c'est bien. Malgré qu'il est mort il a fait un miracle. Mais t'es quoi? Elle va nous tuer. On ira dans le séjour des morts avec miracle encore. Mais il a laissé nous tuer encore. Elle va comme il sait tout va nous tuer. C'est dit. Yes ça. Et écrit. Tu vas recevoir ton miracle. Je reçois ça au nom de Jésus. Amen. Et subitement, Patakon, quand Dieu s'est rappelé d'Abraham, Abraham, il dit, oh, yeah.
qu'est-ce que j'ai fait? Et t'es dit, depuis là, si vous voyez, et les enfants là ont souffert comme le ça. Solia, ils portent l'alliance de leur père. Abraham. L'alliance de ton père spirituel va agir. Je prends ça. Subitement, Pata. Dieu dit, Maudo. J'ai entendu le cri. Et Dieu a décidé maintenant de les libérer. C'est là où Dieu a décidé de voir qui avait fait l'effort. Qui avait l'initiative de les libérer. C'est là que Dieu a pris la décision d'aller croiser Moïse. Dans un buisson. Très bien. Yes. Dieu est obligé maintenant d'aller rencontrer celui qui avait pris l'initiative. Si un politicien veut l'électorat, qu'est-ce qu'il fait? Et la politique ne le mène pas d'accord. Il est un parti politique qui a déjà des membres. Et un parti politique qui a déjà des gens à son natif. C'est comme ça. Oui. Amen. Amen. Alors Dieu s'est dirigé vers Moïse. Il s'est présenté à lui dans sa forteresse. Pour que Moïse ait peur de lui. Amen. Amen. Et subitement, Bata, Dieu dit, il faut que je punisse maintenant l'ennemi de ses enfants. Ils avaient crié depuis des années. Dieu les a laissés. Et un jour, Dieu décide maintenant de venir dire, est-ce que je t'ai dit de les maltraiter? Est-ce que je t'ai dit de les rendre esclaves? Qui t'a donné l'autorisation? Alors je vais te punir. Je vais te tuer. Je vais détruire ta nation. C'est comme ça que Dieu venge la cause de tes enfants. Dieu va venger ta cause. Amen. Je reçois ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, là, Jésus, mais... Écoutez-moi correctement. Et Dieu est venu maintenant. Wallo. Pour la libération. Bon, tout parce qu'il y a une alliance. Et Dieu s'est souvenu de lui. Je vais te dire une chose. Non, 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 oui. Tu as reçu Jésus. Aïe, Jésus, c'est. Qui a reçu Jésus? Mais Jésus, c'est. Moi. Jésus a fait quelque chose. Jésus bleu, n'y a. Et qui sait ce que Jésus a fait? Mais tout nous, Jésus bleu. Il est mort pour nous. Écoute-moi. Ou bien, oui. Ouais. Au moins Dieu va se rappeler de ça. Mana fléné. Si Dieu se rappelle de la mort de Jésus, Mawafli il va intervenir dans ton cas. Et là, je vais et c'est pour cela que quand nous voulons prier, nous disons souvent au nom de Jésus. Parce que quand on dit ça, ça résonne chez Dieu. Et le mot nous, c'est Jésus qui parle. Jésus est heureux. Et il est dans l'obligation d'intervenir. L'alliance de Jésus va parler sur nous. Jésus, ton âme de Dieu peut être en train de marcher avec quelqu'un. Comme ça. Dieu sera en train de marcher. C'est un enfant de Dieu. Dis-moi. Mais toute porte de bénédiction sera fermée. Et Dieu ne va pas agir. Parce qu'aucune alliance ne parle pas. Aucune alliance. C'est comme tu as un planton. J'ai un planton. Dans un service. Azodeme. C'est tout. Et bon. Dieu te voit, c'est que tu es dans son service. Tu es fidèle. Tu es là. C'est tout. Et je connais. Et puis c'est tout. C'est ce qui se passe avec les femmes. Quand elles cherchent bébé, avec les couples, je dirais. Dieu les voit. Dieu les voit. Mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas crié vers l'Éternel. Dieu les voit, ils ont besoin de bébé. Non? Dieu les regarde. Parce qu'on ne l'a pas invité. Tu ne lui as pas rappelé quelque chose. La Bible a dit, oui, il n'y en aura pas une femme stérile dans le pays. C'est ça tu dois rappeler à Dieu. C'est une promesse. Quand tu rappelles ça à Dieu, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit. Mais si tu ne rappelles pas ça à Dieu, je vais vous dire une chose, vous voyez notre président. Il est président de nous tous. Non? Il est ton président.
Mais si on appelle ton nom, est-ce qu'il te connaît? Et encore toi, hein? Mais elle a il ne te connaît pas. Oh. Elle m'a tourné. Il ne te connaît pas. Mais c'est lui qui nous couvre. Et il y a même. Oui. Quand dit. Toute décision qu'il prend pour notre sécurité, ça vient de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça. Parce qu'on l'a choisi pour nous diriger. Eh bien, il ne te connaît pas. Elle a tout. Mais si tu es sous sa direction, si on met un peu de temps. Prenons maintenant le ministre Wadaï. Il le connaît. Et tu es. Est-ce que le président le connaît? Yes. Il le connaît très bien. S'il y a un biscuit sur sa table, et il a déjà biscuit de table, ton qui peut manger plus bien? Et là, Romain de Nazé. Est-ce que tu me comprends? Alors, écoute, ouais. Aussi longtemps, tu peux être appelé enfant de Dieu. Mais si tu ne te connais pas. Et maman, tu es là. Tu vas vivre sans ce que tu cherches. Anano perfilé me bari amolo fofo. J'ai vu des femmes crier comme ça. Mon yoni le besole. À l'hôpital. Oh toto we. Hey. Douleur d'accouchement. Oh onya di douleur d'accouchement. Douleur d'accouchement. Jusqu'à elles en sont mortes. Kaka be kure ko. Fire. Pourquoi? Tell tout. Ils n'ont pas invité Dieu. Et yo ma wa te o me. Au moment où il y avait la douleur. We nous faire dire. Seigneur. Jésus. Il y aura un miracle. Quelqu'un dit il y aura un miracle. Un miracle va se passer dans ton foyer. Je reçois ça. Se produit dans ton service. Un miracle vivant va se passer dans ta vie ce soir. Yes. Parce que tu as crié. Dasu. Oh Dieu. Maoué. Seigneur Jésus. Maoué. Fais-moi ça. Le noumi. Si Dieu ne se souvient pas de toi. Maman frère. Tu vas souffrir sur la terre. Avec le nom de Dieu. Et donc quand Jésus m'a autant gagné ta vie. Mana mon père. Aujourd'hui tu vas gagner ta vie. Et ben j'ai un peu de ça. Yes ça. Il y a plusieurs personnes. Mais sous quoi? Que le diable est en train de traumatiser. Mais les balles ont roulé. Ils vivent le gémissement. Tu es venu ici avec douleur. Tu es venu ici. Parce qu'on t'embête à cause de quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut s'énerver ce soir? Vous savez, moi je prie. Si je veux prier, je me fâche pour prier. Non, pas doula pour comment si beau. Vérité. Je me fâche non, si vous pour prier. Vous et c'est pour cela que nous prions souvent de résultats. Parce que je rappelle des choses à Dieu. Non, je dis Dieu, je ne mérite pas. Non, man, mais rappelle-toi ta de ce que tu as dit ici. Il y a des démons qui ont pris en otage des vies. Tu es enfant de Dieu depuis longtemps, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Au ton du Saint-Esprit. Alors que tu es chrétien. Si Dieu n'est pas quelque part, il faut savoir que Satan est là. Vérité. C'est deux choses. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Vous savez, Satan ne l'invite pas avant que l'humain ne reprenne. C'est toi qui as invité sans quatre. Fille ou non. Asseyez-vous. Il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent à des lieux d'enterrement. Dans les lieux d'enterrement de cérémonie. Mais vous n'allez jamais les inviter. On les appelle les tchokou d'affilé. On ne les invite pas où. C'est comme si ils ont une antenne d'odeur. Si enterrement dans une maison, c'est que lui, il sent ça en même temps. Et puis il vient comme ça. Il commence pas à danser. Il ne commence pas à animer la gare. Il commence pas à pleurer. C'est un bon pleureur. Ou bien il va saper. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes comme ça. C'est de posséder.
peut prendre une voiture comme ça, il vient s'arrêter. Après, il y a cérémonie et puis il y a ce qu'on appelle le chopper. Mais le chopper, grave. Il vient s'asseoir. Mais là, tu il boit, il mange. Non, 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 non. Et le monsieur va penser qu'il va le faire. Quelques minutes, on est dans la voiture. Il rentre dans la voiture. Il part comme ça. Les chocs affilés. C'est comme ça Satan fonctionne. Les bras à son point, invité 104. Accélère mon père. Ces démons que tu n'as pas invité, mais qui sont venus s'asseoir sur ton trône. Qui sont venus s'asseoir dans ton foyer. Qui sont venus s'asseoir dans ton argent. Ton entreprise. Aujourd'hui, ils verront un œil fort. Ces démons doivent fuir. Puis balayer la bague. Dis, tu dois me quitter. Non, la consigne. La consigne.